Salut à tous, c'est Makai. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de vestimentaire. Voilà, on va le dire. Donc, voilà, vous étiez nombreux à me dire de faire la vidéo sur les t-shirts, enfin, les vêtements de la team LaSalle sur GTA V. Chose due, chose fait, ou je sais plus quoi. Bref, je me rappelle plus de la métaphore là ou de l'expression. C'est parti, on va aller chez Trevor qui se trouve juste ici et on va aller s'habiller. Donc, des vêtements. Donc, il y aura les vêtements de Unwin, ceux que je vous ai déjà montrés, mais je vais vous le remontrer pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et les vêtements de la salle et peut-être les vêtements de Idol, je verrai durant cette vidéo. Donc, voilà, c'est parti. On se trouve avec une voiture vraiment pas mal. Regardez, tout est teinté, elle fait vraiment peur et c'est ça qu'on veut, nous, c'est du full black. Donc voilà, c'est parti. Alors Trevor, c'est où? Je ne sais même plus. Je crois que c'est à gauche là. Donc j'ai désactivé la map. Je trouve que ça fait un peu mieux pour le jeu. Voilà, c'est ici. Donc là, il y a le. Je sais plus comment il s'appelle lui. Je sais plus. Attendez, on va la garer là. Parce que attendez, c'est une 6.3 quand même. Hein. On va pas se le cacher les gars. Ça se cache là-bas. Voilà. Ah, ça s'ouvre! Je savais même pas que ça s'ouvrait. Ah ouais, stylé. Voilà. C'est parti, donc voilà, on rentre et on va voir tout de suite le vêtement de la salle. Je vous préviens, c'est un truc de lourd, j'ai déjà vu le vêtement. Je vais vous le montrer. Est-ce que vous êtes prêts? Alors attendez, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, alors attendez, c'est tenu. 3, 2, 1, tadam! Avec le logo et tout, regardez à l'arrière. Goto, 2 millions d'abonnés. Donc franchement, GG au modeur. Si tu peux nous faire des mods à peu près comme ça, ou même n'hésite pas à me contacter hein, pour des futurs mods, ce serait nickel. Alors attendez, parce que là je me bouche. Je suis enrhumé en été, moi c'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà, la veste qui se trouve ici, regardez, la veste la salle. Alors il y a le Twitter, il y a le Facebook, etc. etc. Filou à l'arrière, donc bah, si tu regardes cette vidéo, regarde ce qu'on t'a fait. Il y a même son pseudo PSN. Donc juste pour vous dire à quel point le gars suit vraiment. Bah, je pense que tout le monde le connaît le pseudo PSN, mais bon, c'est pas ça le problème. Et voilà, donc là c'est parti, on va juste aller voir. Alors attendez, on monte. Oh, elle est vraiment magnifique la voiture. Faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Oh là 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 là. Ah mais du coup on voit pas. Du coup on voit pas. Donc voilà, regardez. Voilà. Donc il y a la salle ici, la salle derrière. Il y a un t-shirt, mais bon, j'ai voulu le mettre en veste, je trouve que ça faisait un peu mieux. Et donc regardez, il y a deux LaSalle, il y en a même un en bas, je viens de le remarquer. Et sur les manches, non, il n'y a rien, mais voilà, il y a le logo ici, tous les nouveaux, et go to 2 millions. Donc voilà, ça c'était la partie LaSalle. Donc là c'est parti, bon, écoutez, on va partir maintenant chez lui, mais j'ai pas envie de quitter la 6.3, c'est ça le problème. Bon, c'est parti. Alors, on va sur Franklin. Je vais vous montrer Unwin pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et peut-être Aiden. Donc, on verra. Donc, alors, c'est parti. Donc, voilà, là, on est sur Franklin. On jette la poubelle. Hop, on rentre. On va en dessous. Je vous montre Unwin, comment il ressemblait. En gros, en fait, ils ont mis une. Enfin, ils mettent toujours une phrase qu'on dit à chaque fois. Donc, Unwin, c'était Anto. Donc voilà, alors attendez, t-shirt, donc voilà, ça c'est le t-shirt de Nuine, plutôt bien fait, avec Anto derrière, donc ça, celui-là je vous l'avais déjà montré, et c'était pas nouveau, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, si vous voulez, ceux qui l'ont pas vu, bah, n'hésitez pas à aller la voir, et donc voilà, ça c'était Anto de Nuine, et j'aimerais bien les rencontrer les trois, enfin, vous savez, qu'on fasse une rencontre les trois personnages, mais ça va serait difficile, très difficile. Donc, alors, je regarde juste si il n'y a pas le logo LaSalle, non. Donc, je ne l'avais pas mis sur celui-là. Je regarde. Non, il n'y est pas, dommage. Il y a juste Unwin. Veste décontractée. Non, c'est pas ça. T-shirt, non. Sweat à capuchon, non. Il y a des vêtements, ils sont vraiment pas mal hein, quand même. Regardez, celui-là, j'ai cru que c'était un Adidas au début. Ah ouais, même des clubs de foot, ok. Donc non, il n'y a pas malheureusement. Alors je regarde juste dans le t-shirt. Non, pas de la salle. Donc il n'y est que sur Trevor. Vous pouvez l'avoir que sur Trevor. Et Unwin sur Franklin. Et voilà. J'ai bien dit je pense. Je pense qu'on va passer sur Aiden.
Mais bon, je ne m'aventure pas trop, donc c'est parti, on se retrouve pour le dernier t-shirt, et c'est celui de... Ouais, Nguyen, je suis en vidéo là. Ouais, bah j'avais juste une question à te poser pour les abonnés. Bah tu sais, là j'étais en train de présenter, bah tu sais, ton t-shirt, tu vois, il y a un modder qui l'a fait. Et il y a aussi t-shirt, enfin une veste de la salle, tu vois. En mode. Et est-ce que ça valait le coup de faire le tir de Aiden? Non, ah ouais. Ça dépend. Ça dépend quoi? Ah ouais, vaut mieux pas, tu penses? Bah, il est amoureux donc. Ah, il est encore amoureux? Ouais, c'est bon, c'est fini. Donc je fais rien quoi. Ah, c'est aux abonnés de demander. Tu penses aux abonnés, on le laisse? Moi je pense qu'il faut demander aux abonnés. Ok, bah non, bah... Écoute, ton avis, ça vaut le coup que je l'appelle aussi? Allez, appelle-le, il est avec moi, là on est en train de jouer à Friday, il est actuellement. Il est même dans la même maison que moi là. Ok, vas-y, bah dis-lui que je l'appelle là, on est en vidéo. Juste 2 secondes. Ouais, dis-lui. Ah mais il m'entend plus. Dis-lui, y a Mokey qui va t'appeler, dis-lui. Vas-y, merci Edwin. Enfin, Allez, Julien, merci, vas-y. ciao, bonne vacances et bon vent. Vas-y, bonne vacances à toi. Alors c'est parti, bah écoutez, là on va appeler Aiden, c'est chelou. On va lui ouvrir. Oh, est-ce qu'il mérite lui-même de se mettre sur GTA? Telle est la question. Alors écoutez, ça sonne. C'est écrit Maxime sur le répertoire. Son prénom. Va-t-il répondre? Ou fait-il la star? Oh, je crois que la star est occupée. Je crois qu'elle est occupée. Elle est occupée! Non, plus sérieusement, donc ouais, Aiden, j'ai pas pu faire son t-shirt parce que je sais pas, j'avais un bug au niveau du logiciel, donc Aiden. C'est pas que je t'aime pas, mais comme par hasard, c'est tombé sur toi, j'arrivais pas à installer ton logiciel. Donc si tu regardes cette vidéo, j'ai essayé de t'appeler, tu vois, pour t'informer. Mais la star CR7, comme on dirait, CR7 est occupée et n'a pas pu répondre. Donc voilà, Aiden malheureusement. Mais bon, voilà, il y a quand même celui de Aiden. Aiden, on va pas se le cacher, on s'en fout de lui. J'ai envie de l'insulter. Non, je rigole. Non, donc voilà, c'est celui-là, donc la salle, etc. Bon, je vous l'ai déjà présenté au début de vidéo. Mais voilà, Aiden aussi. Oh! La vitre, elle s'est... Oh! Regardez! Là, la vitre! Regardez là, c'est quoi de ça? Ah, c'est teinté à l'extérieur! Allez, ok, pas à l'intérieur. Vraiment pas mal. Regardez à l'intérieur, on voit rien et là, on voit. Donc, ce qui est vraiment chelou. Donc, bah, Aiden, juste un dernier message pour toi. Donc, je vais vous afficher quelque chose. Quelque chose de vraiment... Bah, que vous n'avez pas encore vu, je crois que je vous l'avais pas mis... Le jour du truc, le jour de la vidéo, enfin on s'était fait arrêter et tout par la gendarmerie. Donc bah moi je vais vous laisser sur ça, je vais vous laisser sur cet extrait vidéo. Et Aiden, j'étais obligé de la mettre parce que voilà, c'était un dossier. Voilà, je voulais pas vous le montrer parce que je voulais pas l'humilier. Mais voilà, je vais vous montrer toutes les fois où il a calé ce con. Et donc Aiden, dès que tu verras ça. C'est normal, c'est que je devais leur montrer quand même, on va pas leur cacher. Donc voilà, on va se laisser sur ça, moi je vous laisse sur la vidéo, et puis bah écoutez, on se dit à la prochaine. Allez, ciao! Première fois. Donc donc voilà, en elle a mis la gros là, première. c'est bizarre. Voilà, là t'as juste à avancer, le frein à main va se désactiver automatiquement. Faut Là j'accélère là. accélère un peu. Ah bah t'as calé. Bah oui, mais c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Bah oui. Tu te remets en point mort. Ouais. Vas-y, appuie sur l'embrayage. Appuie sur l'embrayage. Voilà, c'est bon. C'est Vas-y, bizarre. à embraye. Donc il arrive pas cette Donc voiture là, pour taxi. j'embraye. C'est bon, là tu peux avancer. C'est pas moi la voiture. Donc la musique, mais j'y vais pas. Donc là, j'arrête d'embrayer et j'accélère. Mais si, mais si. Bah voilà, on est d'accord. T'embrayes en même temps, Oui, t'accélères. bah Et le c'est frein à ça. main. Alors je regarde si je peux le désactiver comme ça. Ok, vas-y, c'est bon, normalement tu peux partir, t'accélères aussi, en partant ça va se désactiver. Voilà, Ah ouais, c'est bon, t'as c'est... compris? Lâche un pouce bleu, lâche un pouce bleu, lâche un pouce bleu.
un pouce bleu. Lâche un pouce bleu, c'est pour moquer, c'est pour moquer. Lâche un pouce bleu.